vous êtes chez Pipo Moteur, qui développe des moteurs pour la compétition, pour le Dakar en hydrogène. On a commencé à travailler en 2018-2019 sur des nouveaux carburants, des hydrocarbures de synthèse, du bioéthanol de deuxième génération. Et quand l'hydrogène a commencé à monter en flèche, on s'est dit mais pourquoi va faire tourner des moteurs à combustion à l'hydrogène. Donc là, depuis à peu près un an, on travaille sur le sujet et non, on doit démarrer le premier moteur hydrogène d'ici la fin de l'année. Le moteur hydrogène, c'est un petit peu comme moteur à essence ou moteur diesel. C'est encore une troisième génération de moteur, troisième technologie de moteur avec des turbos de taille différente, des géométries de cam différentes, des rapports volumétriques différents entre le diesel et l'essence. Donc l'intérêt du moteur à combustion à l'hydrogène, c'est qu'il n'y aura pas d'émissions de CO2. Donc l'idée du projet sur le Dakar en hydrogène, c'est pas seulement de faire de la compétition, mais c'est de développer la technologie en vue d'applications pour la route. On souhaite démarrer le moteur d'ici la fin de l'année en hydrogène. Et un des premiers objectifs, ce serait d'être présent sur le Dakar 2023. L'intérêt d'avoir des solutions multi-énergie avec du moteur à combustion sur une boîte de vitesse, un générateur ou une pile à combustible, c'est d'attirer les constructeurs à revenir sur des grosses compétitions du type Dakar et faire la promotion des technologies qu'ils voudront mettre sur le marché plus tard.